soit Jason, Philippe, Francis ou Carl, c'est la même chose. Ils sont tous cons. Sont tous cons. Hello? Where are you? You're what? Missing it! Get down here right now! What? Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry up! Bonjour Monsieur McAdams. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien et vous? Oui, ça va, merci. Alors, du nouveau? Bah écoutez, j'ai tapé mon rapport. Si vous voulez une copie, je vous enverrai une copie, Diamond, il n'y a pas de souci. Pour le moment, non, malheureusement, on n'a rien de plus pour le moment, donc vous inquiétez pas, on est sur l'affaire. Hein. Ouais, je vois, je vois. Et, je vois. Vous, de votre côté, vous les avez aperçus ou autre? Pas de menace, quoi que ce soit? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai aperçu. Ah, où ça? De très, 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 très près. Vous les avez aperçus où, là? Ça vous dérange qu'on aille dans votre bureau ou autre part? Vous voulez qu'on en parle dans un coin privé? Oui, voilà. Allez, venez avec moi. On sait jamais. Hop, j'ai loupé. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, bonjour monsieur. Allez, venez bonjour. Avec moi, je vous autorise à rentrer. En tout cas, moi. Allez, mettez-vous plus dans le coin possible. Non, normalement, on sera très bien ici. Oui, très bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure, j'étais au garage, en service. Et j'ai croisé le jeune homme, le petit Renoir là. D'accord. Je vous ai parlé. Ouais. Je l'ai croisé lui là, et il était dans mon garage et il a demandé que je enlève la voiture de son patron de la fourrière. Mais je lui ai dit que c'était pas possible parce que le gars, je lui ai dit c'est quoi le nom, il veut pas me donner de nom et que je lui enlève la voiture de la fourrière. Je lui ai dit que c'était pas possible, il m'a dit que son patron n'allait pas être content, je sais pas quoi. Et du coup, de là, il m'a dit, mais je te connais, toi. Et du coup, moi, je lui ai répondu que, enfin, je lui ai répondu tout simplement, je vous connais aussi. Et voilà. Et après, il a dit qu'il voulait voir le patron par rapport à la fourrière, à mon avis, et qu'il repasserait plus tard. Mais sinon, à part ça, rien de nouveau, pas d'agression, rien du tout, mais voilà, le gars est bien passé, le gars est bien en ville, en train de tourner, quoi. Et du coup, ça veut dire... Je sais pas ce qu'il fait, mais le gars est bien en ville. Du coup, là, ça veut dire qu'il a pas de véhicule, donc là, il est un petit peu, je pense qu'il doit être très embarrassé. Il faudra essayer de garder le véhicule à la fourrière le plus longtemps possible. Alors, je verrai ça avec vos patrons, mais il va falloir essayer de garder le véhicule. Vous croyez que je vais lui rendre son véhicule? Le ouais. gars m'a pointé avec une arme, vous croyez que je vais lui rendre son ah véhicule? Ah non, non, mais je sais bien. Galérer. Et je de toute façon, c'est mes patrons qui vont gérer ça. Moi, je gère pas ça, puisque c'est pas mon entreprise, je peux pas décider de ça. Je laisse mes patrons faire. Mais en tout cas, moi, ça fait 2 mois, je leur donne rien du tout. Si sa voiture a pu brûler, bah qu'elle brûle. D'accord. Et du coup, ça confirme bien le véhicule qu'ils possédaient, là, le fameux style Citroën des années 30, là? Il m'a rien confirmé du tout. D'accord. Il m'a rien dit, il m'a pas dit le modèle du véhicule, aucune information. Je lui ai demandé c'est qui ton patron et il m'a répondu je ne peux pas le dire ou je sais. Enfin, en gros, il m'a fait comprendre qu'il pouvait pas le dire. D'accord. Il avait l'air confiant ce mec-là parce qu'il est arrivé dans mon garage, il m'a dit oh mon frère, je suis pas ton frère, tu m'as pointé avec une arme, tu m'appelles mon frère. Ouais, t'es un peu culotté de sa part. Et du coup, lui, il est fait comment là aujourd'hui là? Il était avec une veste verte et cheveux rasés. Il a pas de cheveux, crâne chauve, métissé. Je dirais ouais, métissé à mon avis. Ouais, métisse, d'accord. Métissé de noir. Et veste il verte, est noir aussi, d'accord. Un peu.
Veste verte et après j'ai pas pantalon blanc à mon avis, je sais pas quand le D'accord. pantalon, mais en tout cas il a une veste verte. La veste verte, de toute façon c'est facile à repérer. Ok. Il ressemble un peu au gang dans de la ville un peu des fois. Ah, avec leur banana vert et leur casquette verte là? Non pas trop, genre juste là, vous voyez la veste violette d'un Ouais. gang qui est dans la ville. Ouais. Bah, l'autre fois il avait cette veste là et là il avait la veste verte. D'accord. Je sais pas c'est qui ces gars, mais en tout cas voilà, je suis venu vous voir pour vous Non, non, mais informer vous de avez bien ça fait. parce Vous que avez vous bien fait m'avez d'aller dit là. dès que j'ai de nouveau, je vous dis quoi. Ouais, vous avez vous avez eu tout à fait raison, pardon. Et je vais bien prendre note de tout ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais essayer de patrouiller un peu dans la banlieue des gangs là. Et du coup, vous faites bien attention à vous, Damon. On sait jamais ce qui peut se passer. Du Oui, coup, on n'est vous plus inquiétez trop, pas. ouais, on n'est plus trop à l'abri. Et voilà, on essaye d'être actif au maximum. Mais bon, malheureusement, on peut pas être partout. Donc, surtout, faites bien attention à Oui, vous, c'est clair. Damon. Oui, vous inquiétez pas pour ça, je fais attention à moi. De toute façon, je pense pas qu'ils m'attendront à part s'ils me chopent dans le dos. Ouais, voilà. Mais Après, après, je pense pas qu'ils fassent quelque chose, parce que c'est à mon avis, s'il aurait voulu faire quelque chose, il l'aurait fait directement dans mon garage. Mais après, il y avait du monde, donc. ouais, voilà. Je Donc, pense pas, je sais pas, je sais pas ce que veut ce mec, mais on verra bien. ok. Et surtout, alors, bon, je vous ai dit de garder le véhicule au maximum le plus longtemps que possible. Mais si jamais il vous menace Oui, avec y a une pas de arme, souci. voilà, ne risquez pas Ouais, y a votre pas de vie non souci, plus. je D'accord? ferai. Je vous appellerai direct. Ouais, Enfin, y a je pas de vous enverrai souci. un message. J'ai votre numéro de toute manière. Ouais, bah si jamais il est là et qu'il est avec vous, essayez de le retenir au Oui. maximum. Vous m'envoyez un petit message vite fait si vous pouvez, là, voilà, portable dans le dos ou faites sonner mon portable et j'essaierai d'arriver au plus vite. D'accord? D'accord? Et Pas de souci, pas voilà, de souci. j'arriverai comme une simple visite de courtoisie et puis on verra ça. D'accord, Ok? y a pas de souci. Ça marche, Diamond. D'accord. Bon bah, merci beaucoup. Alors, Bah, je vous en prie, merci de m'avoir Damon. écouté. Merci d'avoir d'être passé et de me donner Je les voulais, infos. je vous. Y a pas de souci, je vous le donne le. Tout, enfin, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe avec ces gens-là, de toute façon, vu que vous êtes sur l'affaire et moi aussi, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci, Damon. Ça marche. Bon, faites bien attention Bon, à vous je vais vous surtout. laisser, je vais aller me Ok. mettre en service. Ok, ça marche, Damon. Faites attention à vous aussi. On va essayer, il n'y a pas de souci. Merci, Damon. Eh oui, de rien. J'avais organisé une petite soirée au tequila justement avant. Au revoir, Mais monsieur le Dor. problème, c'est que. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. J'avais organisé une petite soirée au tequila bah, je... Bon, monsieur Matkadam, je vous dis peut-être tout à l'heure Ouais, ça ou une marche. prochaine fois Il quand n'y on a se pas de souci. croisera. Ça marche, Diamond, pas de Je souci. vous tiens au courant des nouveautés. Ok, pas de souci. Allez, au Attention revoir, à bonne vous. soirée et bon courage. Merci, merci, ciao. Merci, au revoir. Ciao. Sound microphone Resume. activated. Oh, ma nouvelle gare qui pâtit en moi. Et avec ta souris, tu viens pointer ton petit Viens point vert. cliquer sur les points verts que tu veux. Voilà. Et après, tu refais espace pour enlever tous les points. Oh, Oui, là, tu mais passes moi à la ça gauche. me. En fait, c'est que vous comprenez pas, en fait. Bah, si, on comprend. Non, parce que quand j'appuie sur espace, en fait, moi, il n'y a pas les points verts comme vous disiez. Oui, Eternity, Blinox. Là, il est parti à gauche ou à droite, lui? Putain. Là, il C'est roule ça le comme une problème. balle. Mais bon, c'est Ça, pas grave, c'est. tant pis. Il manque peut-être des touches dans ta configuration, j'en sais rien. Parce que je fais que vue intérieure, moi. Ah ouais? Un vrai, toi. Là, j'ai vu une voiture passer comme une balle. Pas moyen de la rattraper. Ah non, mais j'ai pas pris mon intercepteur. Oh putain. Tiens. Décale de Golf 3. Je suis en poursuite après une voiture noire type sportive. Refus d'obtempérer. Arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous. T'as bien pris. Et donnez-moi le Au niveau GVAP, de... je vais essayer de vous rejoindre.
au niveau du pôle emploi, je répète, je suis au niveau du pôle emploi. Il renverse, il a renversé une moto, je répète, il a renversé une moto. Je pense que la personne avec la moto est morte. On prend le parking derrière le pôle emploi, il a fait un saut. Et moi j'ai loupé mon saut. Et Staff, tu l'as pas toi le jeu GTA 5? Non, j'ai pas. Ah, dommage, je pouvais jouer à 3. Ah, position golf 3. Et il a pris l'autoroute en direction du nord. Il a pris la Puerta I5. Il a pris l'autoroute. Et moi, ma voiture, elle est accidentée. Vous êtes où? Je vais venir vous chercher. Derrière le pôle emploi. Pôle emploi, il y a un parking. C'est bien pris, j'arrive. Je vous vois, t'as qu'à bouger pas. T'as dit quoi? Ah oui, d'accord. Combien les tracteurs dedans? Ouais. Muted. Merci commissaire. Donc la personne là, vous voyez mon véhicule là qui est sur votre gauche, complètement retourné. Ouais. D'accord. Donc là la personne elle a pris le tremplin, il a sauté et ensuite il a refait demi-tour, il a pris l'autoroute. Et malheureusement j'ai pas pu continuer à voir où dans quelle direction il allait prendre après. Je lui ai tiré dans le véhicule en espérant que j'ai abîmé les pneus, mais non. En confirmation. D'accord. Vous avez pu voir l'individu à l'intérieur? Oui, oui. Alors la personne, c'était une personne de couleur métisse, veste verte avec des manches blanches. Veste verte? Ouais. Veste. Enfin, le corps du veste, de la veste, était vert et les manches blanches. Et c'est pas un mec des gangs? Bah il avait la tenue d'un gang, mais c'était bien un clandestin, hein, je confirme. Oh, ok. Et il aurait pris direction l'autoroute? Voilà, ouais, dans la même direction comme vous prenez là. Après je serais incapable de vous dire si sur l'autoroute après il a tourné à gauche ou à droite. D'accord. Bon, on va essayer de faire le tour. Pendant que vous étiez en entretien avec les médecins, justement il y a monsieur Salvatore qui était venu me voir pour en parler. C'est pour ça que je me suis permis de l'emmener avec moi dans la salle de débriefing, qui voulait parler dans un lieu privé. Et justement, bah, cette personne là, la personne avec le blouson vert, est passée au garage voir Diamond afin de récupérer le véhicule qui est à la fourrière. Il souhaitait récupérer le véhicule de son supérieur. À la fourrière, et je pense que c'est un membre de la mafia. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit exactement à Damon? Bah, qu'il souhaitait récupérer le véhicule, et s'il ne récupérait pas le véhicule, bah, son supérieur allait se mettre très 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 en colère. Et Damon Salvatore lui a gentiment répondu qu'il n'était pas apte à sortir le véhicule de la fourrière. Qu'il fallait qu'il voie ça avec ses supérieurs, donc avec les frères Montanago. Ouais. Et du coup, la personne, enfin l'individu, dit qu'il repasserait plus tard. Bon, ça se trouve, il était au garage. Bah, c'est pour ça que j'étais pas forcément loin à chaque fois du garage, au cas où il revenait en force pour attaquer Monsieur Salvatore, mais bon. Donc là, l'individu avait un véhicule noir de type sport, même style que la vôtre, commissaire. Sauf que la sienne était noire. Ah, j'ai eu peur que vous avez fait allusion à... Non, négatif. Voiture, non, négatif, comme ça. Non, c'était pour vous préciser le type de modèle du véhicule. Bon, d'accord. Oh la merde alors. Bon bah on va aller au garage. Vous mettez un point sur le garage? Voilà.
Et bien Ah, entendu, sans pendant. honnête, ces voitures Ah sous la ouais, pluie. sur la pluie, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais pas trop la prendre, parce que je me doutais que ça allait pleuvoir plus ou moins. Et là, c'est une vraie savonnette. Pendant la course-poursuite, l'individu a renversé une moto et je pense que malheureusement la victime est décédée sur place, je pense. Ah ouais. Peut-être un petit une petite fiche d'intervention. Pas de soucis, commissaire. Ça va commencer. Ça commence. Ça continue même. Ça continue, oui. C'est pour ça que j'ai bien précisé à Salvatore que si jamais, pour X raison, la personne revenait et qu'il insistait et qu'il pointait une arme envers lui, qu'il fasse son maximum pour sortir le véhicule, qu'il prenne pas de risques pour sa vie, quoi. Bah, à la rigueur, on va voir s'il est au garage. Mais ce qui serait l'idéal, c'est qu'il lui sorte le véhicule et qu'il nous appelle. Alors, c'est ce que j'ai dit à Monsieur Salvatore, si jamais la personne revenait, s'il pouvait arriver à nous joindre discrètement, qu'il le retienne au maximum et qu'on puisse avoir le temps d'arriver sur place, quoi. Ouais, parce que à la rigueur, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils sortent le véhicule, et une fois que le véhicule est sorti, qu'ils nous avisent comme quoi il lui sort bien, et je pense qu'il va retourner au garage. Ah bah ah oui, à un moment donné il va revenir en garage, ça c'est sûr. Mais alors quand après, ça Parce c'est un que peu plus compliqué, mais le truc qu'il y a, bon, il a l'air d'avoir personne. Le truc qu'il y a, c'est que il nous appelle, on se déplace. Le mec vient juste récupérer la voiture de son dit patron. On peut même pas le contrôler. Il fait même pas d'infraction. non, tout à fait, oui. Donc le suivre, oui, à la rigueur, on pourrait le suivre, mais bon, c'est pareil. Ça peut être de l'acharnement. Il peut prendre un avocat et on a déjà assez de procédures au cul. Oui, tout à fait. Non, faut qu'il commette une merde. Faut que ou Damon le pousse à bout. Ouais, mais bon, c'est pareil, c'est Damon qui va prendre dans la gueule et c'est peut-être pas le bon Ouais, ce sera peut-être pas le bon la plan. bonne Hein. façon de faire. Déjà que Rames était très énervé justement contre l'agression que Damon a subie lors de son intervention au nord de Los Santos. Alors là, si jamais il arrive quoi que ce soit à Salvatore, je pense que la Ouais, mais relation bon, avec Dames. elle c'est Avec... pareil. Comment? Non, non, allez-y, continue. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Salvatore, je crains que Rames n'ait pas une bonne relation avec nous par la suite, quoi. Je pense qu'il nous en voudrait. Ah, vous pensez? Oui, je sais que la dernière fois il était très très remonté, Rames. Ah, bah oui, mais s'il nous appelle pas au moment où ça lui arrive, on peut pas être partout, Je suis bien d'accord avec vous, oui. Ça marche. Je vais voir si il est en service ou pas et voir si je trouve pas un véhicule mal Ah bah oui, c'est stationné. vrai. Ouais. Là, je dois en trouver trois, là, je crois, c'est ça. Ouais, on va faire ça. Qu'on disait. On va essayer de trouver quelque chose. D'accord. Ouais, merci, Razor. Bon, j'espère que tu arriveras aussi vite que moi, quand même, mon petit sergent. Vous voulez qu'on aille vers où à peu près? On roulait, on finira bien par trouver quelque chose. D'accord. Côté épicerie. Notre On s'arrête. épicerie Bon. d'habitude? Ouais, l'épicerie où il y a les gangs. D'accord. C'est quoi le losange mauve à côté Et de depuis ton nom? qu'il y a eu cet acte terroriste en face, là, il y a énormément de patrouilles qui circulent dans ce secteur. Hein. Ben j'ai trouvé qu'il y en avait un peu plus que d'habitude là, et puis justement j'avais des collègues qui étaient
En code 2, c'est pour ça que je me suis permis de vous déranger si c'était vous qui étiez en patrouille. Parce que j'étais assez surpris d'ailleurs. Ah non, mais vous avez bien fait. Je crois tous mes stages. Bah ouais, tu vois tous les stages, mon petit là. Non, ça se voit qu'il n'y a pas que nous qui bossons. Oui, pour une fois, oui. Il y en a encore un autre en face. Comment, excusez-moi? Il y en a encore un autre en face de nous là. Exact. Et tout seul? Ouais, et tout seul. Bon, ouais, ça m'embête un petit peu tout ça, mais ah bien. Bon, ce qui me stresse aussi, c'est que ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire? J'ai pas tout suivi là, comme ça. J'avais peut-être un petit problème de vocal. Ce qui m'embête un petit peu, de ces personnes de gang, c'est que ça peut être n'importe qui. Ah oui, bah oui, tout à fait. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Je rentre demain de vacances, t'inquiète. Ok, ça marche. Impeccable. Un petit peu calme sur le serveur. C'est pour ça qu'on essaye de se motiver tous les deux là, de créer des scènes. Et je pense que ça va commencer à chauffer. Il y a une mafia qui s'est installée à Razorback. Bon, on t'expliquera en RP bien entendu. Et je sais que tu es très RP donc je peux t'en parler un peu comme ça vaguement. Je vous ai mis un petit point. Ah pardon, j'avais pas vu. C'est un secteur de gang. Excusez-moi, commissaire, j'avais pas vu. Y'a pas de soucis. Secteur gang. Ça marche. Vous êtes armé? Ouais, c'est clair, Razor. Oui, affirmatif. Ah bah oui. Mon carreau, commissaire. Non, pour moi, il est fini. Pour moi, il est pété. Vous voulez une photo? Non, je vous crois, mais pour moi, parce c'est que moi, pété. Je vous assure qui est propre. En même temps, c'est pas mon véhicule, c'est le vôtre, commissaire. C'est pas faux. Non, il n'y a pas encore les armes. Je sais pas quand est-ce que. Je pense qu'il prépare un truc par rapport aux armes. Et ce sera des armes au noir. Alors, je sais pas si tu. Il n'y aura pas les armuriers, mais je pense qu'il faudrait que tu les trouves toi-même en fait. Enfin, toi-même, façon de parler, bien entendu. Dégradation de biens publics, ah, mais c'est clair. Je viens de recevoir un petit message de Sergent Cohen, il rentre des vacances demain. Ah, bonne nouvelle. J'espère grandement que. Recule. Alors c'était exactement la même habit de la veste verte. On descend. Ça y ressemble ou pas? Celui qui est à droite, oui. Mais ouais, elle m'a tout l'air. Ouais, ça va être compliqué là. Monsieur. Messieurs, bonjour. Petit contrôle, rien de bien méchant. Vous avez rien à déclarer sur vous? Monsieur, vous avez l'air d'être fort bien alcoolisé. Bon, certes, vous embêtez personne, mais notre but à nous. Pardon, monsieur? Je crois qu'ils sont pas contents de nous voir là, sergent. Oui, mais ils n'ont pas le choix. C'est pas eux qui décident, c'est nous qui décidons. Monsieur avec la bouteille dans les mains, là, bon, vous pouvez monsieur... nous répondre là, s'il vous plaît? De toute façon, boire de l'alcool sur la voie publique, monsieur, est interdit. Donc vous allez me lâcher cette bouteille. Tout de suite. Ça marche, mon petit Razor. Tout de suite. Oui, c'est bien à vous que je parle, monsieur. On reste calme. Vous le prenez comme ça, vous êtes sûr? On ne bouge pas, on ne bouge pas.
Il en reste un, commissaire, il en reste un. Ah, oh, ils sont tous derrière nous, derrière nous. Ouais, Golf 30 et TK, j'ai petit problème mentaux. Ah. D'accord. Là, je me mets à l'abri, hein, s'il y a beaucoup trop de monde. Ah, c'est bien pris, fait 7. Moi, j'ai des problèmes mentaux, du coup, petit souci. Ah, j'en ai eu deux à terre et deux à terre, et ils sont très 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 nombreux. Je prends l'arme lourde, je répète, je prends les armes lourdes. Ah, c'est bien pris, y a pas de risque, y a pas de risque. Vu que c'est très très chaud en ce moment, vous prenez le véhicule si vous pouvez et vous quittez les lieux. Voici. J'ai réussi à m'enfuir, vous inquiétez pas pour moi. Ok, reçu, TK. On tourne au véhicule. Vous êtes où, TK, que je puisse vous récupérer? C'est où? Ne vous inquiétez pas, okay. Je cours. Reçu. Je vois un véhicule de patrouille, je rentre avec eux. Reçu, TK. Bon, c'était tendu. Très tendu, oui. Vous l'avez eu ou pas? L'individu en lui-même, non. Il s'est enfui. Après, toute sa bande est arrivée à une vingtaine de personnes, donc là ça a été très 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 très, très compliqué. D'accord. Bon. De toute façon, ils doivent le cacher, c'est pas possible. Ouais, parce que c'est une des premières fois que je le vois, cet individu-là. Vous voulez qu'on y retourne, là, sur place? Enfin, ou à votre point? Ouais, affirmatif. Allez, au point, allez au point. D'accord. Donc, vous me disiez que... Le sergent Mickey Cohen revient de vacances. Oui, tout à fait, commissaire. Il m'a envoyé... Ça sera à vous de vous placer, hein, en tant que chef. Hein. Oui, oui, pas de soucis, commissaire. Oh, je pense qu'avec le sergent Cohen, je devrais pas m'inquiéter. Oui, je pense aussi, mais bon, vous savez, des fois, quand on est amis avec certains collègues et puis qu'il y en a un des deux qui augmente de grade, c'est toujours un peu plus compliqué. Oh, je pense qu'il comprendra. Ouais, il y a beaucoup de monde là. Un groupe à gauche. Mettez les codes 2. Décidément, les boutons. D'accord. C'est quoi tout ça? Véhicule en position de direction sortie. Faut pas cacher sa tête. Ok. Bonsoir messieurs, tout se passe bien? Parce que monsieur... Oui, monsieur, votre téléphone c'est pas spécialement obligé. Bon, par contre, vous savez que le fait de consommer de l'alcool sur la voie publique est interdit. Bon, vous en foutez apparemment. Vous pouvez répondre s'il vous plaît? J'espère pour vous, monsieur, que c'est de la cigarette. Bon, bah vous allez me lâcher tout ça, hein. Parce que sinon on vous embarque au poste. Allez, messieurs, on lâche tout ça. Voilà, c'est mieux.
Oh. Ah, je suis touché aussi. On a été touché tous les deux en même temps. Oh merde. Oh putain. C'est pas possible. Je suis comme vous. Je suis à terre. Vous avez la possibilité d'appeler un médecin? Non, j'y arrive pas. Je vais essayer de prendre mon téléphone portable. Je vais essayer de l'appeler. J'ai mal. Encore une balle dans le poumon gauche. Moi que j'avais mon gilet était mort. Je crois que mon gilet était taché, mon gilet. J'ai pas fait gaffe au gilet. Vous y arrivez. Tenez bon. J'ai mal. Boîte matinale, mais j'ai mal. Faut qu'on essaye de localiser notre position. Oh, ça va être compliqué. Je pense oui. On n'est pas très loin de la entreprise minerai, je crois, non? J'essaie de me rappeler de tête, mais je pense que le médecin va pas tarder à arriver. Commence à m'endormir. Sergent. Tiens, vous avez connu pire. Ah, j'ai mal. très mal. J'ai la tête dans le bitume. Oh, ça fait mal à mon nez. Médecin se dépêche, lui il arrive. J'en peux plus. Non, plus du tout. Je vais dormir. Ah non, tenez bon, sergent. Vous avez connu pire, je vous ai dit. Vous pouvez tenir. Ah, en fait, c'est qu'il était même pas en service, c'est pour ça que ça a pas marché. En tout cas, je sais maintenant où on est, je me rappelle. D'accord. Je commence à voir des éléphants roses. Oh. Mm-hmm.
Je vois une lumière blanche. Je sais pas si je dois aller à la lumière blanche. Non, 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 suivez pas la lumière. Vous avez l'appel médical de disponible. Non, ça marche pas. Mon téléphone, il traîne dans mon sang. C'est une catastrophe. Elle a fait une mauvaise manip. Merde. Mon collègue est... Il est juste à terre. Il colle devant moi, docteur. Ah, c'est compliqué. Retournez-vous. Il est là. Ah, il c'est me voit fâcheux. pas, il me voit pas. Merde. Tout à fait, il est juste à vos pieds derrière vous. Voilà, vous êtes pile poil sur sa tête. Bon, ça va être compliqué, je pense. Je pense qu'il va falloir lui injecter. Non, vous allez perdre votre service, je pense. Ça vient pas de là. Je pense que. Je pense qu'il va falloir quand même lui injecter un sédatif, histoire de le calmer. Et puis, il va peut-être momentanément perdre la mémoire. Et il va se retrouver. On va l'emmener directement à l'hôpital. Une fusillade. Et le mieux, c'est que injectez-lui le sédatif, histoire qu'il ait la douleur et puis qu'il se rappelle plus de ce qui vient de se passer. Ça va aller, sergent. Ne vous inquiétez pas. Allez hop. Ah. Bonjour commissaire. Bonjour sergent. On va aller faire un petit aller à l'hôpital histoire que vous passiez un petit check-up. D'accord. Il s'est passé quoi là? Je me souviens qu'on avait fait un petit contrôle là dans les quartiers là-bas, mais d'un seul coup trou noir complet là. Ouais, en effet, on a fait un petit contrôle, on a été totalement surpassé en nombre. On a été mis à terre. J'ai réussi à me traîner jusqu'à un véhicule Allez, après l'échange de tirs qu'il y a eu avec les malfrats. J'ai réussi à me glisser sur la route avoisinante. Un passant m'ayant vu m'a ramené directement à l'hôpital. J'avais quelques blessures superficielles, mais ça a touché un des tendons, donc du coup j'ai dû malheureusement me faire opérer. Et quelque chose d'assez rapide, histoire de pouvoir contacter un médecin pour venir vous porter les premiers secours. Une fois qu'on les a faits, un sédatif a été donné par le docteur pour vous reposer et vous mettre amorphe totalement, histoire de vous appliquer les premiers soins. En fait, j'ai acheté pour rien alors le truc de courroie tout à l'heure. D'accord, bon.
Ok, je suis reparti pour une visite On va faire un médicale. appel au médecin. D'accord. J'espère pas qu'il va me faire un vaccin parce que je déteste les piqûres. Hein. Vous avez suivi je sais pas combien de mots et vous avez peur des piqûres? Oui, c'est Docteur. ça. Docteur, bonjour. Ah, bonjour. Ah, vous Donc avez il se peur des piqûres. présente Ah oui. ouais, aujourd'hui pour faire un petit check-up hein, concernant l'intervention qu'il y a eu. D'accord. Par contre, je suis désolée, docteur, de vous demander ça, mais est-ce que vous n'avez pas de quoi vous dépanner de à manger et à boire? Et en plus, vous nous Si, narguez en bien train de sûr. boire. Si, si. Si, si, bien sûr. Vous avez besoin de boire? Je pense que nous deux, oui. Oui. D'accord. Ok. On vous remboursera, docteur, vous inquiétez pas. Merci, c'est gentil. Merci, docteur. Ah, ça va mieux. Ouf. De rien, de rien. Moi, j'ai encore Bon. le temps. Bon, bah, du coup, on va peut-être rentrer dans l'hôpital. Ça sera peut-être plus facile pour le docteur. Suivez-moi. Là, je vous suis, docteur. Allez-y, commissaire, je vous en prie. Re, mon petit Tommy. Bon, bah, moi je vous attends là. Hein. Ça marche comme Bah, ça. bienvenue dans les locaux. Oui, c'est la première fois que je rentre dans les locaux, c'est magnifique. Pas mal vos nouveaux locaux là. Oui, c'est. Ouais, c'est assez grand. Alors, voici la salle. La salle d'autopsie. Bon, J'espère vous ne n'êtes pas pas. mort, heureusement. Oui. J'ai eu un petit peu peur là de ce coup, docteur. J'ai eu un peu Donc, peur. qu'est-ce que vous avez? Vous avez mal au crâne, Bon, en fait, comme j'ai un petit ça? peu mal à la poitrine, parce que il y a quelque temps, j'ai reçu une balle dans mon épaule. La semaine dernière, j'ai reçu une balle D'accord. dans mon poumon gauche. Bien sûr, j'étais apte à reprendre du service, hein, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai repris une autre balle et voilà. Donc il faudra l'enlever et puis terminer quoi. Mais vous inquiétez pas, je suis un dur à cuire. Je pense que quelques cachets, ça devrait le faire, je pense. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé? Alors, en fait, avec ma commissaire, nous sommes partis en patrouille. Ensuite, on a aperçu une bande de gangs. Consommer de l'alcool sur la voie publique, on a été les voir, on leur a demandé d'arrêter, de ranger leurs bouteilles, tout ce que vous voulez. Et un des Ouais. individus a bousculé la commissaire, et là nous avons commencé à ripoter, et après ça a été le trou noir total. D'accord. Donc à ce moment-là, vous avez dû prendre un coup et tomber en fait. Ouais, voilà, je pense que ce qui a dû se passer à mon avis. D'accord, ok. Ok. Donc on va prendre. Je vais vous prendre des médicaments. D'accord. Bon, ça va, j'ai pas de piqûre. Je vous les donne. Ok, merci. Et ça, il faut que je les prenne pendant combien de temps là? Ouais, deux fois par jour, ça devrait suffire deux fois par jour. Deux fois Une par le jour. matin et une le soir. D'accord. Oui. Et ça pendant combien de temps? 5 jours? Un jour? D'accord. Ouais. Pas de problème, je prendrai tout seul. Hein. Toi, dur à cuire, je te rappelle que Et ton nom, c'est vous avez Lapin. pas, enfin, vous avez pas non plus des problèmes de vue ou trucs comme ça depuis Bah que là. vous êtes debout là? Oui, non, mais là, ça me fait rien du tout. J'ai pas de vertige ni quoi que ce soit. Pour le moment, je vous dis honnêtement, docteur, ça me fait rien du tout.
Alors si jamais je vois que j'ai un petit problème de vue ou des douleurs qui apparaissent d'ici quelques jours, bien entendu, je mettrai pas ma vie en danger et je viendrai vous voir et voilà, et on verra ce qu'on pourra faire, Oui. mais là D'accord. pour le moment il n'y a pas de souci. Ah mais c'est Donc, clair, Lips. si je comprends bien, les balles sont pas restées en vous quand même. Enfin, les balles sont pas. Elles sont ressorties, quoi, en fait, les balles. Bah je pense ouais parce que là à l'hôpital ils ont passé une radio de ma cage thoraxique et apparemment ils ont rien trouvé. Alors après si D'accord, ok. vous voulez faire me repasser à une radio voilà par rapport au LSPD faites hein, moi ça me dérange pas hein. Non, non, Je non, voulais avoir non. une certitude. Non, bah. Enfin, pour le moment, là, les Speedy m'a rien demandé. D'accord. Mais je fais confiance à mes confrères. D'accord. Donc pour le moment, prenez des médicaments. On va vous faire quand même une petite piqûre, au cas où. Enfant, j'ai sûr, Doc. Vous avez vraiment. Oh, Enfin, vous avez. Ouais, oh, vous avez. j'ai Enfin. peur des pics. Mais bon, quand il faut le faire, hein. Mais j'ai vraiment. Bon, 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 bon. Bah, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, pas avoir la piqûre. Oui, bien sûr. Et du coup, vous me la faites où, la piqûre, là? Bah, dans le bras, ça devrait suffire. Ah, alors attendez, attendez, hein. Oh là 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 là, vous êtes sûr que vous êtes obligé de me faire une piqûre comme ça là? Bah, Voilà, c'est pour allez-y. un, deux, trois. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fini, c'est fini. Oh, je déteste ça, c'est pas possible. Voilà. Oh, moi je déteste ça, donc je Donc, sais pas ok, comment. ouais, voilà. Bah, j'espère que vous irez mieux quand même, Ouais, que ce oh, serait j'ai. très bien quand même. Ouais, non, mais j'encaisse pas mal, hein, donc ça devrait. Je pense que ça devrait bien se passer, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, docteur, si jamais j'ai une petite faiblesse ou autre, je n'hésiterai pas Ouais. à faire part du message, enfin, du message, de mon problème à la commissaire et je viendrai vous voir après pour passer une visite médicale supplémentaire. Il va D'accord, t'embrasser. Mais ok. ça va pas, non? Et vous avez pas. Ce que je voulais savoir, c'est vous avez pas pu vous défendre, prendre le taser et tout, vous avez pas Si, pu vous si, défendre? bah, ça a été. En fait, l'action ça a tellement été vite. Et que. Quand la commissaire s'est fait bousculer, j'ai sorti mon arme. J'étais prêt à sortir mon arme. Et comme la personne qui a bousculé la commissaire avait ses complices derrière lui, ils ont vite riposté, pardon. Assez très 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 vite et du coup j'ai eu le temps de tirer peut-être une ou deux balles et eux dont t'es 3 à 4 à me tirer dessus et voilà ça a été fini quoi Ah, ça a été très vite. Ok. ouais ça a été très 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 et puis comme je Et pense comment j'ai la commissaire, ah bah elle était où? je sais pas je vous dis quand j'ai reçu une balle je suis vite tombé dans la tête de trou noir direct pour moi et du coup pour la commissaire je D'accord. sais pas du tout ce qu'elle a eu où est-ce qu'elle a été touchée on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en parler beaucoup en voiture. Mais j'espère qu'elle a pas trop. Si, apparemment, elle a été touchée à la cheville. D'après ce que j'ai pu comprendre. Faudrait que je lui demande. Oui, bah. Pour qu'elle y ait pas de soucis, hein. Si elle a droit à une piqûre, pour qu'elle y ait pas de soucis, hein. Il n'y a pas de Ok, raison. d'accord. Bah, venez avec moi, on va la D'accord. rejoindre. Ça marche. Tu vas avoir ta piqûre. Tu vas avoir ta piqûre. Faites-lui une piqûre s'il faut. Ok. Bon, comment va-t-il, docteur? Ah, pour le moment, il va bien, il va bien. C'est Je voulais savoir, madame la commissaire, est-ce que vous avez eu des blessures ou autres? Oui, j'ai été blessée au tendon, mais rien de grave. Ça a pu être soigné en urgence par l'hôpital. La L'état piqûre, le plus la grave était piqûre, celui la du sergent en piqûre, chef. la piqûre, la piqûre. Est-ce que vous voulez des antidouleurs ou Oh, vous savez, j'ai assez de traces sur le corps maintenant pour montrer toutes les blessures que j'ai eues. Donc non, ça ira. Ça me fera une balle à foie de plus. Par contre, je viendrai si ça s'infecte dans la journée de demain pour que vous puissiez voir au moins la plaie.
La piqûre, D'accord, la piqûre, la piqûre, la piqûre, piqûre, la ok. piqûre, On la va faire jouer au piqûre. chef, Ce c'est sera bon pour tout. vous? Pour moi, oui, c'est bon. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin d'un vaccin, hein, commissaire? Ok, où? Bah, ils m'en ont fait, ils m'en ont fait directement à l'hôpital, mais comme j'ai dit au docteur, je pense que je repasserai demain, histoire qu'ils puissent au moins constater la plaie et voir si, si c'est en voie de guérison ou si ça se propage. Pas de soucis pour moi. Pas de soucis. D'accord, très bien. Bon, bah, si c'est D'accord, bon pour ok. vous, docteur, on va y aller. Ouais, bah ouais, d'accord. Bah faites attention la prochaine fois. Hein. Elle fera comme ça. Ouais, c'est compliqué avec les gangs locales, C'est compliqué, surtout que c'est des ouais, c'est nouveaux. ça. Sont très S'ils font coriaces, hein. encore partie de. Encore partie de la famille. Eux, je pense pas. C'est vraiment des nouveaux dans le quartier. Ils doivent pas trop vous aimer parce que vu ce que m'a dit le sergent-chef, s'ils ont réagi comme ça, une juste Bah Ah bah vous ça a savez, été rapide. c'est compliqué nous en ce moment. J'aime pas beaucoup. Ouais. Je pense qu'on doit beaucoup Mais bon, les déranger, à on mon va pas ami. vous embêter. C'est Ouais. sûr. On va pas vous embêter plus longtemps. En plus, surtout que je commence à mourir de faim. Donc on va se précipiter pour aller dans une épicerie. Bah, je vous remercie, docteur, et puis je pense qu'on se revoit demain. Il n'y a pas de souci. Merci, Merci à vous en tout docteur. cas. Merci, Bon, docteur. sergent chef, De rien, on de y va. rien. Merci. C'est mon travail. C'est parfait. Du bon Merci. boulot. Allez, bonne journée ou bonne soirée, je sais plus depuis le temps. Bonne soirée à vous aussi. Merci, bonne soirée. Ah, mais c'était un bonjour en fait. Tout à fait. Ah, c'est le petit matin ou c'est le soir? Du coup, je sais plus, Là, je suis je pense que ça va totalement être le soir. déboussolée. Là, je pense qu'on va arriver au soir, commissaire. Bon, allez, c'est parti. Faire des petites emplettes alimentaires. J'ai un petit mail. Deux petites minutes. Je vous en prie. On peut dire que ce soir, gagné. Eh, j'ai arrêté une bonne soirée là, dans l'intervention. Commissaire, je veux venir. Tout à l'heure, quand je suis passé au commissariat, j'ai regardé les registres des passages. Monsieur Brum n'est pas passé. Alors, il m'a averti par boîte mail qu'il avait un rendez-vous famille. Je lui ai dit que je comprenais, mais qu'il devait se présenter quand même pour sa CJ. Il m'a affirmé qu'il n'y aura pas de souci, qu'il se présenterait, mais bon, il est 2 heures du matin, c'est compliqué. Affirmatif. Oh, la piqûre là, je la sens passer, hein. Ah, vous avez des antibiotiques ou pas? Ouais, il m'a donné les cachets là, je dois deux fois par jour pendant 5 jours. Ouais, je verrai bien Oh comment la ça va se vache, passer. Ouais, 5 jours. 5 jours, oui. Mais bon, si jamais j'ai quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, commissaire, je vous dirai si jamais, si je me sens pas bien ou autre, je vous préviendrai, hein. Je mettrai pas ma vie et mon Ouais, y a pas de effectif souci. en danger. La même chose, Monia. Ah, vous connaissez les prénoms maintenant? Ah bah lui, ça fait longtemps maintenant. Par contre, le doc, Bon il nous allez. donne des bouteilles de coca, mais c'est pas très bon pour la santé. Ah mais il fallait du sucre avec tout le sang que vous avez perdu. Ah oui. Monsieur, merci. Passez une bonne soirée.
Vous m'avez Je rendu vous ai beaucoup de redonné trop. 3 000. Ouais, mais vous m'avez donné de trop Oh, comme bah, ça. c'est pas grave. Gardez la monnaie. Ah, ouais, merci. Allez, une clodo. Il faut pas traîner devant, hein. Salut, Jason. Alors toi, tu t'appelles Jason avec la commissaire et à moi, tu t'appelles Philippe. Ouais, je comprends rien du tout. Mais non! Philippe, c'est celui qui a la petite moustache. Et Gérard. Oh, je sais plus du coup, moi. Gérard, c'est le blanc, mais il est gros. Ah. Voilà, Philippe, c'est celui de la petite moustache. D'accord, ok. Bon bah je ferai attention. Alors donc c'est lui, il s'appelle comment alors du coup? Jason? Jason, ok, bah je vais essayer de m'en rappeler alors. Eh oui, le métissé. Le Ouais. métissé un peu gros, c'est Jason. D'accord. Alors à chaque fois moi je l'appelle Philippe, il me dit ouais bonjour. Il est bête, lui. Oui, il est con. Mais Jason, il est con en général. Ouais, c'est ça, ça porte sur le prénom. Que Ouais, ce soit merci que Matrix. ce soit Jason, Philippe, Francis ou Carl, c'est la même chose. Ils sont tous cons. Sont tous cons. Bon, c'est pas grave en soi. On va arrêter de critiquer mes effectifs, hein. Et puis, moi par contre, je vais faire une pièce. Problème. Bon, allez, ce fut une fin de soirée très mouvementée. Oui, tout à fait, commissaire. Oui, ça va, merci, et toi, Matrix? Ouais, une très très bonne Tu soirée, mais m'avais bon. fait envie de... Comment? Vous m'avez fait enlever les véhicules? Changer de véhicule? Non, enlever des véhicules. Ah, bah non, j'en ai pas trouvé. Comme on m'avait demandé ça, j'ai tourné, je n'ai trouvé aucun véhicule mal stationné ou autre. Merde, comment je Hein? fais pour mes stats, moi? Bah, je sais pas, j'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait pour trouver des véhicules, j'ai tourné, et à aucun moment j'ai trouvé aucun véhicule mal stationné ou abandonné sur sur la voie publique. Bah, tant pis, hein, on verra ça demain. Oui, bon, je referai un tour. Comme je suis d'attaque, demain matin, je referai un petit tour, j'essaierai de trouver des véhicules. Après, le principal, c'est que le garagiste qui soit là. Parce que c'est bien de me prendre des Ouais, non, véhicules, mais mais si le garagiste n'est pas là, ça sert pas à j'ai. grand-chose. Je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais je compte bien qu'il soit là quand même demain matin. Il n'y a pas de raison. Bah, j'espère, hein, parce qu'on les voit plus beaucoup à part des mônes. Oui. Mais on Bon, va allez. l'avoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Oui. Un service pour moi, Ça changer. marche. Allez-y. Mais t'es vraiment un con, hein. Putain, mais depuis le début, je t'appelle Philippe, et en fin de compte, tu t'appelles Jason. Mais t'es barjot dans ta tête quand même, hein. Allez. Bon, direction le garage. Hein. Ça marche. Pour vous aussi. Un petit Ah, footing. bah, et en plus, le souci qu'il y a, c'est que mon véhicule a été remis en fourrière une fois de plus. Encore? Non, mais c'est une catastrophe aussi. C'est de l'arnaque quand même. Commissaire de Los Santos, il y a toujours un problème avec mon visa et je me fais expulser. D'accord. C'est ironique quand même. Et ça, ça sent la petite magouille de Montanagro, ça, tout ça, moi. Et pendant ce temps-là, Ah il. ouais, carrément. Ouais. Moi, je le sens bien. Bah, ils s'en mettent plein la fouille en tout cas. Bah, mais ils ont pas augmenté les tarifs, d'ailleurs. Ah, c'est fait, hein. Ah, c'est fait, ça y est. Ah bah oui, hein, du coup j'ai payé. Pardon, je suis Je vous en fatigué. prie. Ah non, non, je l'ai payé une blinde. D'accord. Pour ça, là, depuis que je demande l'argent au gouvernement pour payer les factures, et ben du coup, mon capital à la banque augmente quand même beaucoup plus vite, hein.
Ah bah oui, je veux bien vous croire. Pareil Non, pas pour vos encore, primes, Matrix. c'est fini, ça paye plus, c'est le gouvernement maintenant. Et il nous les verse comment du coup? Attention à vous. Ouh la vache, il échappait belle ça. Là oui. Bah, il vous les verse automatiquement par mon intermédiaire. C'est le gouvernement qui me fait un virement directement sur mon compte. Hein. Et après, bah, je vous verse l'argent. D'accord. Tchut, Matrix. Parce que moi, je vous cache pas que j'ai ma sabre qui est à la fourrière. Pour le moment, elle y reste. Hein. Ah bon? Vous la reprenez pas? Non, non. J'en ai marre de toujours payer. C'est l'argent. Ouais, je vous couvre. C'est bon. Ça marche. Oui, bah, je suis bien d'accord que c'est chiant, mais d'un moment, il faudrait bien l'avoir dans mon garage plutôt qu'il est tout le temps chez Montana. Bah, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il vaut mieux peut-être plus trop laisser nos véhicules chez les Montanaro. Hein. Si un jour le garage part en fumée, ça va faire mal. Ouais. C'est vrai que s'ils veulent se mettre à dos, veulent se mettre à dos la mafia, il est peut-être pas bon d'être garagiste en ce moment. Pas trop, non. Pas du tout. Oula, 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 oula. Ah, le collègue là, il a voulu passer au rouge, mais un petit peu loupé. Ah, je pense que c'est une épidémie chez les serments. Hop, 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 eh oh. Oh, What et the oh, on va fuck, se eh calmer, oh. hein. Dommage que je puisse pas faire un. Oui, peu de tenue quand même, on peut vous reconnaître en civil. Hein. Vous croyez avec mon œil au bord noir? Juste un petit rappel, madame la commissaire. Vous pouvez rappeler autant que vous voulez. Hein. C'est moi qui vous paye. Ouais. Mais c'est pas vous qui payez mes frais de médecin. Ah bah D'ailleurs, oui, en fait. parlons de ça. Oui, tout à fait, parlons de ça. Il vous a fait payer? Bah alors? Oh mais gentil ce docteur, hein. Ça coûte une blinde les antibiotiques. j'irai le voir demain.